Bien, bonjour à tous. Donc, l'instrument que vous découvrez ici a été développé dans le cadre de l'astronomie gamma au sol. Donc, cette astronomie gamma s'est développée et s'est approfondie, s'est structurée en tant que nouvelle branche de l'astronomie dans le courant des années 2000 et vise à sonder les rayons gamma qui nous viennent de sources cosmiques et qui peuvent être repérés avec nos détecteurs, du moins leur signature. Alors les rayons gamma, pour les situer dans le spectre électromagnétique, il faut dire qu'ils sont vraiment à l'énergie la plus extrême de ce spectre électromagnétique, au-delà des rayons X, et ils représentent une sorte de lumière qui est en fait 1 milliard de fois plus énergétique que les rayons X. Et bon, il se trouve que des sources cosmiques de type supernovae, restes de supernovae, ou noyaux actifs de galaxies, c'est-à-dire l'environnement de trous noirs massifs, émettent dans ce genre de rayonnement extrême. Donc, si vous voulez, nous allons nous rapprocher un peu de l'instrument pour le voir plus en détail. Donc, le premier élément que nous rencontrons, c'est le contrepoids ici, qui permet d'assurer l'équilibrage de toute la structure. Le télescope en lui-même est soutenu par cette tour sur laquelle sont superposés les deux systèmes d'entraînement qui permettent le mouvement en azimut dans cette direction et en élévation dans cette direction du télescope, ce qui va nous permettre de pointer n'importe quelle source ou étoile dans le ciel. Ici, en se rapprochant de l'autre côté, on voit toute la structure porteuse de l'optique et le foyer où on va vraiment faire les détections. Donc ici, vous apercevez d'abord le miroir primaire, donc là qui est en cours de finalisation. Vous avez 3 segments qui ont été équipés de miroirs et 3 autres qui sont en cours de construction dans l'industrie. Les signaux, donc on pointe le télescope vers une source, les signaux arrivent sur le miroir primaire, sont réfléchis sur le miroir secondaire que vous voyez ici, lequel les renvoie au plan focal, donc où il y a une caméra dite caméra Cherenkov qui va pouvoir récupérer l'ensemble des données qui après vont être analysées pour reconstruire les informations nous venant des sources cosmiques. Alors les rayons gamma, on ne les détecte pas directement, heureusement pour nous, ils n'arrivent pas jusqu'à la surface de la Terre. Ils sont effectivement absorbés dans l'atmosphère. Alors un rayon gamma qui rentre dans l'atmosphère, il va déclencher une cascade de particules secondaires. Donc les particules, c'est surtout des électrons qui sont des particules chargées, qui sont très énergétiques. Et ces particules-là, c'est ceux qui vont émettre une lumière qui s'appelle la lumière Cherenkov. Et cette lumière Cherenkov, donc c'est une lumière qui est très faible, qui est une lumière bleue. Et c'est ça qu'on détecte avec les télescopes. Comme c'est une lumière très faible, on a besoin d'un grand télescope avec des grandes surfaces. Et il faut aussi observer pendant les nuits où il n'y a pas de la lune. Donc on ne veut pas avoir de la lumière autour, effectivement, de la lumière diffuse. Alors même pendant ces nuits-là, il y a quand même un petit peu de lumière autour de nous, surtout ici, on est à côté de Paris, donc on a toujours un petit peu de pollution lumineuse ici sur le site. Donc ça explique effectivement la couleur de notre structure de télescope qui est rouge. Alors la couleur rouge, ça réfléchit très bien la lumière rouge, mais très mal la lumière bleue. Et c'est ça qu'on veut effectivement. On veut éviter que la lumière diffuse soit réfléchie sur notre télescope. On veut juste détecter la lumière qui vient du ciel. Après, vous avez aussi vu cette grande coquille blanche ici qui couvre le télescope, effectivement, qui le protège des intempéries. Et ça, c'est donc été mis en place exprès pour le prototype ici, pour le couvrir. Parce que comme c'est un très grand télescope, on n'a pas pu le caser dans les coupoles qui sont ici sur le site à Meudon. Alors, c'est un télescope prototype, c'est-à-dire on l'utilise surtout pour tester le concept. Donc on détecte des cascades atmosphériques, des jets atmosphériques, avec la caméra pour tester la caméra. On détecte effectivement aussi des étoiles lumineuses pour pouvoir vérifier tout le concept optique, pour pouvoir vérifier la qualité des miroirs, la qualité de la structure optique. Et après, une fois que tout ça s'est vérifié, l'idée c'est donc du coup d'installer plusieurs dizaines de ces télescopes-là sur un site qui est plus propice à l'observation pour les astronomes. Donc ça va être effectivement au Chili, où là on a donc moins de pollution lumineuse, on a une atmosphère qui est plus claire. Et ça va donc se passer dans le cadre du projet Cherenkov Telescope Array, etc. Sur la physique des sources dans lesquelles il y a des phénomènes violents, très énergétiques et parfois cataclysmiques, comme par exemple dans notre galaxie,
les supernovae et les restes de supernovae, les phénomènes de pulsars, des étoiles à neutrons en rotation très rapide, des systèmes binaires stellaires, certaines étoiles de type particulier, certains nuages interstellaires également, et le centre galactique, où on pense où il y a un trou noir massif niché dans notre centre galactique, avec des phénomènes énergétiques qui se passent tout autour. Et puis, dans l'espace extragalactique, on observera des noyaux actifs de galaxies, donc aussi certaines appelées radiosources extragalactiques, certaines galaxies de type particulier avec une très forte formation d'étoiles. On détectera également des sursauts gamma, donc, qui sont déjà vus en gamma, mais par l'astronomie gamma spatiale à extrêmement basse énergie. Là, on pourra les détecter aux hautes énergies et très hautes énergies de l'astronomie gamma au sol. Et on pense pouvoir voir aussi des amas de galaxies et peut-être des signatures indirectes de matière noire. Et puis finalement, on peut aussi mentionner qu'en utilisant ces rayons gamma qui viennent de sources très lointaines, on va pouvoir sonder de façon très fine les milieux traversés et donc remonter aux propriétés de ces milieux et également sonder les propriétés de l'espace-temps et de la physique, certaines données et les propriétés de la physique fondamentale. On va pouvoir sonder de façon très fine les milieux traversés et remonter aux propriétés de ces milieux et également sonder les propriétés de l'espace-temps et de la physique, certaines données et les propriétés de la physique fondamentale. On va pouvoir sonder de façon très fine les milieux traversés et aux propriétés de ces milieux et également sonder les propriétés de l'espace-temps Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse là. Il faut que je ferme YouTube. D'accord, là, je vais fermer YouTube. D'accord, mais il n'y avait pas de questions écrites, donc je ne sais pas comment on fonctionne. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions. Alors, ce télescope est un prototype. En fait, donc, il a été installé à Meudon pour préparer la construction d'un instrument de nouvelle génération qui va être un grand réseau formé de plusieurs dizaines de télescopes qui sera installé une partie au Chili et une autre partie sur les îles Canaries. Donc, en tant que prototype, disons, le télescope de Meudon, pour l'instant, prépare les opérations suivantes, mais n'a pas en lui-même fait de grandes découvertes. Par contre, la génération précédente d'instruments de ce type a donné lieu à toute une ouverture sur le cosmos aux très hautes énergies. Et l'Observatoire de Paris était impliqué dans l'expérience HESS, High Energy Stereoscopic System, qui est installée en Namibie. C'est une expérience essentiellement européenne, avec principalement l'Allemagne et la France et d'autres partenaires, en particulier la Namibie et l'Afrique du Sud. Et donc, les grandes découvertes effectuées par HESS, ça a été de montrer qu'il y avait beaucoup de rayonnements de très hautes énergies qui venaient de notre cosmos. Donc, par exemple, on a montré que les trous noirs massifs, certaines sources situées autour de trous noirs massifs, émettaient des signaux très lointains et très lumineux en rayons gamma, avec des variabilités très rapides qui nous permettent de sonder l'environnement immédiat du trou noir, très près, probablement très près de l'horizon du trou noir.
Donc, on a des informations sur ces trous noirs massifs. On a pu cartographier aussi des restes de supernovae, donc montrer comment les particules se propagent. Les supernovae ont des explosions d'étoiles. Et après, au moment de l'explosion, disons, il y a une onde de choc qui se propage dans le milieu interstellaire. Et dans cette onde de choc et de choc induit, il y a des particules qui sont très accélérées. On a pu cartographier ce phénomène. On se retrouve avec des particules accélérées dans toute nébulosité autour de la zone de l'explosion, par exemple. Ça permet de reconstruire l'histoire de l'accélération de ces particules et de leur propagation dans le milieu interstellaire. Et bon, voilà, on a donc les grands résultats obtenus, disons, ont été de montrer qu'on pouvait sonder les zones de phénomènes extrêmement violents de l'univers, l'explosion d'étoiles, ou les zones extrêmes comme l'horizon des trous noirs, l'environnement immédiat des trous noirs. Alors, c'est dû un travail tout à fait professionnel au niveau de la préparation des instruments. Donc, il y a eu une conception de l'instrument, il y a eu une fabrication qui a été en grosse partie en sous-traitance industrielle, il y a eu l'assemblage qui s'est fait également à Meudon, et puis il y a eu toute la série de tests et de caractérisation et de calibration de l'instrument. Donc ça, c'est tout un travail vraiment professionnel qui se situe sur la partie développement des instruments. Voilà. Alors, par contre, après, pour ce qui est des observations proprement dites sur le ciel, en rayon gamma, ça, il va falloir le faire depuis des sites avec des qualités d'atmosphère meilleures, des atmosphères plus transparentes. Alors, on n'est pas trop gêné par la turbulence de l'atmosphère, parce qu'on reçoit des signaux très, très courts, qui sont plus rapides que les variations turbulentes de l'atmosphère. Mais par contre, on est gêné par tout phénomène d'opacité ou par la pollution lumineuse venant de Paris. Donc, on peut faire toute la partie professionnelle dans le sens de préparer l'instrument, le caractériser, faire toute une batterie de tests. Et après, il faut par contre aller installer les instruments sur des sites de meilleure qualité atmosphérique. Mais on pourra poursuivre tout de même les observations en tant que, par exemple, étape pédagogique hein, pour les universitaires, pour familiariser les étudiants avec cette instrumentation, ce type d'instrumentation, et également l'utiliser en banc de test pour caractériser de futurs instruments qu'on utilisera après pour les observations vraiment de pointe sur le ciel. On pourra faire aussi à Meudon, une fois que l'instrument sera terminé, par exemple, suivre certaines sources variables et contribuer à la surveillance de ces sources. Voilà, pour compléter la couverture temporelle du suivi des sources variables, par exemple. Alors, il est unique en tant que nouveau concept de télescope, parce qu'il utilise un concept de télescope Cherenkov, donc de l'astronomie gamma, à deux miroirs. Et en fait, ce genre de concept de télescope à deux miroirs n'avait encore jamais été développé. C'est un concept dit de type Schwarzschild-Kuder, du nom des deux astrophysiciens qui l'avaient proposé au niveau théorique, disons. Voilà, il n'avait encore jamais été construit. C'est vraiment à l'occasion de ce grand projet CTA, Cherenkov Telescope Array, donc, qui est la nouvelle génération d'instruments en astronomie gamma, que ce concept à deux miroirs a été développé et a été fabriqué. Alors actuellement, il existe notre prototype à Meudon qui a été le premier à faire la première lumière sur le ciel, le premier à observer des gerbes atmosphériques de type Cherenkov sur le ciel. Il y a également un autre prototype qui a été développé à deux miroirs aussi par des collègues italiens
Et il y a un autre prototype qui a été développé, et qui est arrivé un peu plus tard, mais qui a été développé par des collègues américains. Donc actuellement, il y a 3 instruments de ce type, le télescope gamma à 2 miroirs, qui existent sur la planète. Mais, on a eu la joie à Meudon d'arriver les premiers, dans le sens qu'on a pu faire les premières mesures de gerbe atmosphérique sur le ciel. Et les conditions un peu difficiles, disons, au niveau de la météo ou de la pollution lumineuse, ne nous ont pas empêchés d'avoir ce succès. Alors après, c'est vrai que pour les observations de pointe qui va suivre, ça se fera pas depuis le dos. Alors, les cibles prévues pour la nouvelle génération de télescopes Cherenkov, donc pour ce projet Cherenkov Telescope Array, qui va être construit donc au Chili et aux îles Canaries, on prévoit beaucoup d'objets compacts et de sites où il y a une grosse énergie, il y a de gros réservoirs d'énergie, dans lequel il y a des écoulements de matière rapide, par exemple, comme suite à des explosions ou suite à un potentiel gravitationnel qui attire beaucoup de matière. Donc, il y a des écoulements rapides, beaucoup d'énergie liée à la dynamique dans le plasma, où on peut accélérer des particules qui vont rayonner à ces énergies gamma très, très élevées. Donc, ça va être... Les environnements de supernovae, les éventuellement des explosions de supernovae, si on peut en capter, des restes de supernovae où ça reste très énergétique, des pulsars, des systèmes binaires stellaires dans notre galaxie, certains nuages moléculaires, des nuages interstellaires où les particules très énergétiques interagissent avec le nuage et permettent au nuage d'avoir un certain rayonnement. Le centre galactique aussi, et on sait qu'il y a des sources émettrices en rayons gamma depuis notre centre galactique. Donc ça se fera évidemment depuis le Chili, parce que le centre galactique n'est observable que depuis l'hémisphère sud. Donc ça, ce sont le tableau des sources dans notre galaxie qu'on va pouvoir observer en rayons gamma. Et puis, si on va dans l'espace extragalactique, donc on va observer des galaxies et surtout des noyaux actifs de galaxies, les sursauts gamma qu'on va détecter également, qu'on commence à détecter à très hautes énergies, probablement des amas de galaxies. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à les détecter avec les instruments actuels, mais on pense que CTA fera le saut en sensibilité suffisant pour pouvoir détecter des amas de galaxies. Et on espère, bien sûr, alors ça, ce serait vraiment une découverte fantastique, peut-être détecter des signatures de matière noire, ou en tout cas mettre des limites à certains modèles, parce qu'il y a certains modèles des possibilités de... Pour expliquer la matière noire, font des prédictions qui montrent que CTA pourrait éventuellement mettre en évidence des signatures indirectes de cette matière noire sous la forme d'émissions avec des raies d'émission ou des raies spectrales lors d'annihilation entre elles de particules de matière noire. Bon, et ça dépend de quelle est la nature de cette matière noire. Si elle entre dans un certain domaine de paramètres, CTA pourra faire la détection. Et si CTA ne fait pas la détection, CTA contraindra les modèles de matière noire. Et puis, on espère aussi, en étudiant, en observant des sources très lointaines, caractériser les lignes de visée qui sont traversées par les rayons gamma et du coup, en sortir des informations sur les propriétés des milieux traversés et également sur les propriétés de l'espace-temps. Donc, on peut sonder aussi des questions de physique fondamentale, comme par exemple rechercher des signatures de gravité quantique. Mais là aussi, là, c'est vraiment un très grand défi. On verra
si cette percée peut se faire ou non avec ce théâtre. Alors, oui. Alors, disons, non, c'est pas complètement gênant. Alors, pour les calibrations, on peut fonctionner avec une partie des morphes. Ça dépend quelle calibration, mais une calibration importante, c'est par exemple la précision de pointage du télescope, où là, on fait cette calibration en pointant des étoiles brillantes et en regardant à chaque fois si on est la précision qu'on a dans notre pointage. Et avec un logiciel, on peut améliorer cette précision de pointage. Donc, voilà, on peut faire la calibration du pointage et du suivi des sources. Ça marche avec un miroir, c'est bon. Ce qui est un peu gênant de ne pas avoir l'ensemble des miroirs, c'est que du coup, on perd un peu en sensibilité. Et aussi, donc on est tenu d'observer que des étoiles parmi les plus brillantes. On ne peut pas descendre, donc on a moins d'étoiles à observer parce qu'on n'arrive pas à capter des étoiles plus faibles. Ce qu'on pourra faire quand on aura les six miroirs du miroir primaire. Et puis, ce qui nous limite aussi de ne pas avoir les six segments et qu'on fera dès qu'on aura l'ensemble, c'est pour optimiser les techniques d'alignement, pour parfaire l'alignement de ces segments. Évidemment, tant qu'on n'a que trois segments, on peut aligner que trois segments. On n'a pas pu aligner les six, donc l'ensemble du miroir primaire. Donc, disons que ça nous pénalise un peu de ne pas avoir le miroir primaire au complet, mais on a pu quand même faire l'essentiel du travail et des calibrations. Alors, Ernest Onvin demande, quelle est la date de construction ? Je vais donner un petit agenda, disons, parce qu'il n'y a pas eu une date spécifique comme ça, ça s'est étalé. On a obtenu le budget pour se lancer dans l'aventure fin 2010. À partir de là, il a fallu développer le concept, élaborer les plans détaillés, et on a lancé des appels d'offres pour faire fabriquer les sous-systèmes du télescope dans l'industrie. Donc, ces appels d'offres se sont étalés entre 2012 et, disons, 2015 dans un premier temps. Et en 2015, on a assemblé l'ensemble du télescope, installé les premiers miroirs qu'on avait pu faire construire et on a eu la première lumière sur le ciel. Donc, je pense qu'on peut dire que la fabrication, la construction, ça a été essentiellement 2015. Ceci dit, depuis 2015, on a continué beaucoup de développement, beaucoup d'optimisation. On est encore en train de faire fabriquer les derniers miroirs, puisqu'il a fallu aussi obtenir du budget pour tout ça. Et puis, il y a eu énormément de tests et de calibrations qui ont été faites depuis. Alors, une autre question. Peut-on voir sur Internet des images prise par ce télescope? Les images prises des cascades Cherenkov, on a un petit site sur lequel on a montré ça, des images prises par les cascades Cherenkov. Ceci dit, l'image d'une cascade, c'est un petit trait ou c'est une ellipse ou une sorte d'image plus compliquée, et on reconstruit l'image des sources en gamma en travaillant sur chaque image de cascade pour petit à petit remonter à la cartographie de la source. Donc, je pense que pour l'instant, ce qui serait le plus intéressant à aller voir, c'est pas forcément l'image de nos cascades obtenues sur Meudon, parce que bon, on voit des images prises à quelques nanosecondes. Hein. Donc, après, il y a un très, très gros travail pour reconstruire l'ensemble des images. Et nous, on a essentiellement que des images ponctuelles. Mais sur le site de S, par exemple, il y a des exemples de ce qui se fait pour cartographier vraiment des sources en rayon gamma. Donc, je ne sais pas comment je peux transmettre
Si vous cherchez sur Internet, HES, c'est High Energy Stereoscopic System. Et vous accédez à un site où il y a plusieurs images de sources gamma qui sont présentées. Donc les images les plus intéressantes à voir, disons, c'est des objets galactiques, c'est des restes de supernovae ou des nébuleuses de pulsars, où on voit vraiment une extension de la source, on a une vraie cartographie de la source. Après, pour les images obtenues de noyaux actifs de galaxies, pour l'instant, en gamma, ils sont quasiment tous sous forme de points. Enfin, on commence à voir des petites extensions, mais c'est essentiellement ponctuel. Donc, ça ne va pas être grandiose à observer. Mais disons, au niveau de la physique, quand on voit des variabilités, par exemple, ça nous transmet beaucoup de choses. Et quand on voit aussi la distribution, le spectre, disons, la distribution en fonction de l'énergie, ça nous transmet aussi beaucoup d'informations physiques. Alors, nous avons une question de Félix Douzan qui demande « Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement la gravité quantique dont vous venez de parler ?» Je ne sais pas ce que c'est. Alors, bon, c'est impossible d'expliquer rapidement la gravité quantique et j'en serais bien incapable, mais je vais essayer d'en dire, disons, trois mots. Alors, le problème de fond, c'est un problème de fond de la physique actuelle, c'est que on a une dichotomie pour toute la physique qui concerne le cosmos, les grandes échelles, la gravitation. On utilise vraiment la relativité générale qui marche très très bien. Bon, alors elle peut être approximée par la théorie de newtonienne hein, dans de nombreux cas, mais si on veut expliquer, disons, vraiment les objets cosmiques, on a besoin de la relativité générale et tous les tests qui ont été effectués jusqu'à présent la confirment, ça marche vraiment très bien. Et récemment, avec les détections des ondes gravitationnelles liées à la fusion de trous noirs, on a vu que vraiment ça confirmait, enfin ça, c'était tout à fait en ligne avec la théorie. Donc on a une théorie qui marche très très bien à grande échelle, qui décrit les phénomènes gravitationnels. Maintenant, à petite échelle, aux échelles à l'échelle atomique, quoi, ou même à l'échelle nucléaire, on a absolument besoin de la physique quantique. Et elle aussi marche très très bien. Alors, bon, on n'est pas forcément toujours d'accord sur toutes les interprétations de la physique quantique, mais quand on l'applique, ça marche vraiment très très bien. Et il y a actuellement énormément de développement dans ce domaine-là. Vous avez peut-être entendu parler des ordinateurs quantiques, par exemple, ou tout un tas de choses. Donc, et ça marche bien. Donc, on a deux domaines, la physique microscopique et la physique cosmique, disons, à grande échelle, qui marchent très bien. Mais par contre, pour les questions qui sont à l'interface de ces deux domaines, eh bien là, on ne sait pas parce que on n'a pas du tout unifié la physique quantique avec la relativité générale. Donc, pour des objets comme, par exemple, les trous noirs ou les centres de trous noirs, ou comme l'univers très primordial, où là, on pense qu'on a besoin, intrinsèquement, on a besoin des deux domaines, parce que ça joue sur les deux domaines, eh bien là, on ne sait pas, parce que on n'a pas l'unification de ces deux physiques, disons, voilà. Et c'est ça tout l'enjeu de la gravité quantique. Alors déjà, il faut savoir, la gravité est-elle quantique ou est-ce qu'elle n'est pas quantique? Donc là, actuellement, il y a des expériences qui sont en cours pour éventuellement résoudre cette question. A priori, on pensait plutôt qu'elle était quantique pour justement pouvoir unifier la physique quantique, mais la question se pose tout de même, et comment on fait pour unifier, quelle va être la théorie de gravitation quantique qui permettra d'unifier tout ça. Et du coup, les rayons gamma, ils sont intéressants pour analyser ces questions parce qu'ils se situent à des énergies extrêmes où justement on pense qu'on pourrait peut-être commencer à mettre en évidence
des effets de gravitation quantique, par exemple en étudiant leur propagation sur des distances très très grandes depuis sur plusieurs mégaparsecs quoi, avec des sources à très grande distance. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à votre demande. Alors, il y a encore une question. Jusqu'à quelle distance de l'univers peut-on observer avec ce télescope? Alors, disons que il y a deux aspects. Il y a même plusieurs aspects. Les gerbes atmosphériques que nous détectons, elles sont à quelques kilomètres, hein, parce que le rayon gamma, il arrive en haut de l'atmosphère, il déclenche, s'il est suffisamment énergétique, il déclenche une gerbe de particules secondaires qui va traverser notre atmosphère, et c'est cette gerbe qu'on observe qui rayonne par effet Cherenkov et dont on détecte le petit flash lumineux avec nos détecteurs. Donc, disons que le messager, au final, le messager, c'est cette gerbe, et elle est située dans la haute atmosphère, donc à 10, 15, 20 kilomètres. Voilà. Bon, maintenant, le rayon gamma, lui, qui vient du cosmos, eh bien, s'il vient de notre galaxie, il vient de plusieurs kiloparsecs jusqu'à 10 à 20 kiloparsecs typiquement, et s'il vient de galaxies extérieures, alors là, il vient de plusieurs mégaparsecs, et on est limité dans la distance. On ne peut pas observer jusqu'aux confins de l'univers, loin de là, donc on ne peut pas aller non plus à trop grand redshift, disons, à trop grand décalage vers le rouge, parce que les rayons gamma, ils interagissent avec les fonds diffus. Donc, ils se font petit à petit absorber, ils réagissent avec les fonds diffus, donc c'est d'autres photons. Le rayon gamma, c'est un photon très énergétique. Les fonds diffus, en l'occurrence, avec des photons vus dans l'infrarouge, par exemple, et ils interagissent avec, ils font une création de paires électrons-positrons, enfin bon, et du coup, ils se font en partie absorber. Donc ça limite nos capacités d'observation à très grande distance. Mais enfin, on pense, bon, suivant l'énergie à laquelle on observe, on devrait pouvoir accéder les redshifts de 1, voire davantage, si on descend à plus basse énergie. Une question, est-ce que c'est dangereux, les rayons gamma? Alors, les rayons gamma, en soi, en eux-mêmes, oui, ils sont très dangereux pour tout être vivant. Ils peuvent être très, très dangereux, effectivement, parce qu'ils sont très pénétrants. Ils sont plus pénétrants que les rayons X, puisqu'ils sont donc un milliard de fois, typiquement, hein, plus énergétiques que les rayons X. Donc, les rayons X, ils arrivent à traverser notre corps. Hein, vous le savez, tout le monde a fait des radios parfois lors de fractures ou autres. Donc, c'est les rayons gamma aussi. Mais les rayons gamma peuvent vraiment brûler. Enfin, donc ils peuvent être très dangereux. Ceci dit, les rayons gamma venant du cosmos, déjà, ceux qui ne sont pas très énergétiques, ils sont complètement arrêtés par notre atmosphère. Donc, pour voir les moins énergétiques, on ne peut que les observer à partir de satellites. Donc, ceux-là, bon, ils ne nous gênent pas du tout puisqu'on est sur Terre bien protégé par notre atmosphère. Et ceux qui sont plus énergétiques, eh bien, ils interagissent tout de même avec l'atmosphère et ils font ces gerbes atmosphériques que nous détectons. Donc, finalement, pour nous, les rayons gamma venant du cosmos ne sont absolument pas gênants. Ils sont pas du tout dangereux. Par contre, des rayons gamma qui, lors des explosions de bombes nucléaires, là, c'est catastrophique, quoi, parce que les rayons gamma, là, sont extrêmement, extrêmement dangereux. Eh bien, merci, Hélène Saul.
Nous n'avons pas d'autres questions, alors nous vous donnons rendez-vous donc demain à 18h pour la visite du laboratoire l'Allemand. Mais avant ça, ce soir à 21h pour la conférence sur les exoplanètes qui sera animée par Anne-Marie Lagrange. Merci beaucoup Hélène encore et bonne soirée. Merci à vous, au revoir.